Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de Noël. Comme promis, je vais décorer ma maison avec vous. Je vous avais dit ça dans la vidéo de la semaine dernière, que cette semaine, ça serait vlog décoration. Pour l'occasion, j'ai sorti mon petit pull de Noël. Et du coup, on va commencer à décorer ensemble. Pour le moment, il n'y a rien de décoré du tout. On est le 2 décembre et je commence toujours à partir du 1er décembre. Tout d'abord, on va commencer par ma chambre. En général, je décore pas énormément, juste quelques petites touches. Je vais commencer par changer les draps de mon lit. Là, ils sont roses et je vais les mettre blancs pour pouvoir mettre ensuite les petites touches de Noël et que ce soit plus joli. Et ensuite, la plus grosse partie de la décoration, ça se passera du coup dans le salon. Et je vais vous montrer tout ça. Donc, c'est parti. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Et voilà, pour ma chambre c'est fait, ça suffira. Comme je vous disais, petite déco simple mais efficace. Et du coup maintenant on va pouvoir passer au salon. Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la la la. Oh oh, la 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 la. Oh oh, la 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 la. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai avancé sur la déco, c'est pas encore terminé, il y a encore quelques petits trucs à faire. Et ensuite la grosse pièce, bien évidemment, le sapin qu'on va aller chercher peut-être demain avec ma mère, sinon ce week-end, on sait pas encore. On prend un sapin frais, donc on va aller à la pépinière. Là du coup, je vais aller au magasin de loisirs créatifs pour acheter un petit plateau en rondin de bois. Parce qu'en fait là, comme vous avez pu le voir, j'ai mis ça sur ce petit plateau en fer, enfin il est argenté, mais tout le reste de la déco est dans le doré. Du coup je trouve que ça ferait plus joli sur un petit plateau en bois comme j'ai pu faire ici. Vous voyez les bougies posées sur ça, je trouve que ça fait plus harmonieux avec le reste de la déco tout simplement. Donc je vais aller chercher ça et ensuite j'aimerais aussi trouver des petites pommes de pin pour poser dans les petits coins des bougies. Je pense que ça peut faire assez sympa, donc je vais faire ça et je vous montre. Et ensuite ici j'ai aussi mis des bougies, donc mes deux préférées senteur Noël, c'est la Christmas Eve de Yankee Candle. J'ai celle-ci de Diptyque que j'avais eu dans un partenariat il y a 2 ans je crois, qui sent le sapin. Vraiment cette odeur elle est superbe, ça sent vraiment le sapin littéralement. Et ensuite ici j'ai mis un petit pot avec des chocolats, il faut que j'aille en acheter d'autres. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour le moment. Et après comme vous avez pu le voir, la déco sur la cheminée. Donc pour le moment ça ressemble à ça. Je vous montrerai avec de jolies images, je ferai un montage avec de la musique de Noël, tout ça, une fois que tout sera terminé. Et une fois que ce sera le soir, ça sera plus joli parce qu'en fait au milieu j'ai mis une guirlande lumineuse. Donc le soir on allume les fausses bougies, la guirlande, tout ça, et ça fait vraiment assez sympa. Ça fait une ambiance cosy avec le sapin aussi une fois qu'il y sera. J'ai récupéré Alexia.
Salut. On est du coup chez Made in Fema dont je vous parlais pour les petites décos que je vous disais. Ça y est, je viens de rentrer chez moi. Du coup, je vais mettre en place ce que j'ai acheté. Du coup, d'abord, j'ai pris des chocolats comme ça pour mettre dans mon calendrier suspendu. Du coup, je vais faire ça tout de suite. Je vous retrouve quelques jours après pour la suite de la vidéo. Donc aujourd'hui je vais aller chercher le sapin dans une pépinière pas très loin de chez moi. Et ensuite je vais le décorer avec ma mère. Du coup je vais vous montrer tout ça. Je vais en profiter aussi pour faire quelques photos comme je fais tous les ans au milieu des sapins. Je trouve ça trop joli. Tenue assez cosy et plutôt cocooning. Je trouve que ça peut faire mignon. Enfin surtout blanc au milieu des sapins verts. Donc c'est un ensemble de jogging comme ça que j'avais trouvé chez Zara l'année dernière avec mes petites Uggs. Voilà. Je vous montrerai le résultat de la photo sur Insta. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands. Keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love. Alors ça y est, le sapin est en place. Il est super grand comparé à celui de l'année dernière et surtout pas tellement grand mais très touffu. L'année dernière il venait pas autant devant la porte et moi j'adore les gros sapins comme ça. Du coup là on va commencer à décorer. Il faut aussi qu'on fasse la décoration de la porte comme on avait fait l'année dernière. Je sais pas si vous me suiviez déjà, vous allez voir, on va mettre le gros nœud qui entoure la porte comme un papier cadeau. Et voilà. Je vous montre tout ça. Pour faire le nœud de la porte, c'est très simple. On avait acheté l'année dernière des rubans comme ça, en espèce de tissu à la Farfouille. Et ensuite, deux gros nœuds comme ça. Ceux-là, ça fait très longtemps qu'on les a. Et du coup, on accroche un de chaque côté de la porte. Et ça, on le passe du côté de la porte comme ça, en horizontal. Et ensuite, en vertical. Et ça fait comme un gros nœud de cadeau sur la porte. Je vais vous montrer tout ça. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Woo-hoo. Making plans for what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing. Yeah, I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas. Moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful.
And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Hello, je vous retrouve quelques jours plus tard. Donc ça y est, la déco est terminée. On a fini de mettre toutes les boules, tout ça sur le sapin. Et les quelques petits détails qui n'étaient pas terminés sur les autres coins déco. Donc je vais vous montrer maintenant les petits clips que j'ai filmés pour le résultat final. Et puis voilà, donc je vous mets ça tout de suite, c'est parti. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de voir la décoration de ma maison. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir dans le thème de Noël pour les vidéos des prochaines semaines. J'avais pensé à vous faire une morning routine, j'avais fait ça l'année dernière et je sais que ça vous avait beaucoup plu. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous dit d'en revoir une et après si vous avez des idées de petites vidéos dans le thème de Noël que je pourrais filmer. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Du coup je vous retrouve mercredi prochain et en attendant je fais plein de bisous.